repousse et tout. Bref, le problème, c'est que les profs ont très peu la possibilité ou la capacité de faire ça. Le fait qu'ils soient enseignants, de toute façon, ils sont pas forcément en posture pour le faire, parce que c'est eux qui évaluent les enfants et qui les encadrent au quotidien. Donc c'est pas mal quand c'est des intervenants extérieurs aussi, quoi. Tout ça pour dire, j'aime bien les enfants. Voilà. On était parti de ça. Putain, c'est l'enfer, les poils de chat, par contre. Faut vraiment que j'aspire mon micro. J'ai plus de fil, donc là, je suis en train de refaire le fil pour continuer le contour. Oui, ils sont pas formés, les enseignants, c'est sûr. Bah, en même temps, ça va tellement, tout va tellement vite, c'est compliqué. Hein. C'est terrible. Salut Light, avec Trinity, on s'était rencontrés. Bah, je crois que... Je sais plus si c'est une ou deux fois, mais on était ensemble pour tester Star Wars Battlefront. Du coup, on s'était juste croisés à un événement dans un studio de jeu. Mais on n'avait jamais fait d'émission ensemble, non. Mais on s'était vraiment juste croisés. Hein. Oh putain, j'ai fait des nœuds comme il fallait pas. Mais je suis contente que ça vous ait plu, c'était cool. Salut Renloot Créative, trop intéressant comme sujet, j'ai beaucoup contente de découvrir. Ah mais voilà, mais elle est trop mignonne la grenouille de Libre et Sauvage. Là. Putain, pourquoi ma grenouille elle est dégueulasse? Tant pis, on est parti sur un serpent hippocampe ailé, poulet, voilà. Le serpent hippocampe poulet. Ah oui, bah oui, bien sûr. De toute façon, à l'école, on reproduit les rapports de domination qui existent dans le reste de la société aussi. Hein, donc c'est hyper compliqué de se détacher de tout ça. J'ai chaud là. Je vais peut-être enlever mon pull. En fait, le principe des live broderies, c'est qu'on discute de la vie en brodant. Et on parle de sujets perso, un peu politique, on fait un peu de tout. Et comme ça, là, j'ai eu du mal à suivre le chat parce que je suis pas hyper... comment dire? Hyper... réveillée. Ouais, réveillée, hein. Il est midi, je suis pas hyper réveillée. Je pense que je vais prendre une pause pour me faire un thé maintenant que j'ai remis mon fil et je risque pas de le perdre. Je vais aller aux toilettes faire un thé. Et puis après, si vous voulez, on fait le bilan de mon mois sans alcool. Parce que du coup, pendant un mois, pendant 32 jours pour être exact, je n'ai pas bu d'alcool. Du coup, on s'était dit qu'on en parlerait en stream et que je vous expliquerais comment s'est passée l'expérience. Donc voilà. Donc je vais aux toilettes, faire du thé, et ensuite on fait le bilan. Dans 2 minutes le chat. A tout de suite. Je vous mets un best-of en attendant. Ouais, je vais aux toilettes faire un thé, exactement. Différence entre ce que vous voyez à la caméra et ce qui ressort après. Et notamment, les gens me le disent toujours parce que quand j'ai fini la peinture, je poste une photo sur les réseaux sociaux que je prends avec mon appareil, et les gens sont toujours là en mode « Waouh, mais ça rend pas pareil !» Ils disent pas que ça rend mieux. Ils disent que ça rend pas pareil. Donc, moi, je prends ce qu'il y a à prendre. Je trouve ça pas si mal. Ah, bah, vous voyez? Oh, c'est beau. Alors, en fait, techniquement, c'est de la HD. Les deux caméras, c'est les mêmes. C'est juste qu'il y en a une qui est bien éclairée et pas l'autre. Regardez. Ici, on est face au Mordor. Ici, on est face à une magnifique cabane. Oh là 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 là, c'est giga beau. Bah, merci. Merci. Mon visage aussi, il a été repeint. Putain, je tremble du cul. J'ai tellement de courbatures que je tremble. Bon, attendez, faut que je la remette, ça va être compliqué. Et là, elle tombe à plat par terre. Ah!